ces rencontres qu'il ne faut pas louper durant une saison, et celle-ci l'est certainement. La venue de Virton lors de cette 25e journée de championnat, c'est quand même un des ténors de la série. Une équipe qui s'exporte très bien, 24 points sur 36. Deuxième d'ailleurs dans ce mini-classement. Mais sachez que depuis la reprise, l'équipe de Serein, elle aussi, est très très bonne, puisqu'elle a déjà engrangé pas plus que 15 points joués, et donc c'est un des meilleurs scores depuis le début de l'année civile. Et retenons une autre statistique intéressante, 5 victoires, 2 défaites, c'est ce qui finalement sépare les deux formations dans les duels. Et oui, Serein a souvent remporté ses duels face à Virton. De bon augure, on le saura dans 90 minutes. On s'observe hein, dans ce début de partie, il y a très très peu d'occasions. C'est très serré évidemment entre les équipes. Avec Stéphane, ça peut de champ là pour Cassio, la latte. Il y a un ballon, il n'y a pas de hors-jeu là. Aurélien Joachim, mais Fay est déjà là. La défense de Serein se regroupe. Le compte. Et une frappe là. Superbe frappe de Verkauteren juste au-dessus de la transversale. Première action pour Virton. Bonhem qui va lancer là et c'est un peu compliqué. Ibou Fay qui passe. Ibou. Al-Badawi. C'est but. Ah oui. Medolia a été complètement surpris là par le jusqu'au boutisme d'Ibou Fay qui profite à Al-Badawi, troisième but de la saison. 1-0 après 13 minutes de jeu. Enfin, je vais plutôt côté droit. Cassio. Ah, Stéphans. Bocher. Ah, petit lob. Et Maurice qui doit se détendre. C'était osé, c'était risqué, c'était très bien joué. Le Quénois. Et. Ce ballon qui va filer hors des limites de jeu et qui va donner un corner pour Virton. Qui est enfin rentré dans son match, maintenant on peut le dire. Pendant 20-25 minutes, ça a été assez pénible, laborieux, poussif. Mais maintenant, Virton pousse. Et Serein recule. Avec son petit but d'avance, mais il faudrait quand même ne pas trop jouer au chat et à la souris. Et oh là là, on vient de vous le dire, ne pas jouer au chat et à la souris. Et regardez, qui marque. Lazare pour l'égalisation, sentait venir ce but de Mehdi Lazare. Al-Badawi derrière ce ballon. Et Stéphane là pour la reprise, juste avant la pause, voilà. Monsieur Chassepierre renvoie les deux équipes dos à dos au repos, un but partout. Al-Badawi, c'est bien joué là, Stéphane. Il n'a pas encore eu une seule occasion, hein, Stéphane, aujourd'hui. C'est un bon ballon. Là, 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 la casse qui passe à deux doigts pour son centième match du 2. Al-Badawi. Al-Badawi qui force la vitesse, là. 4 contre 3, 4 contre Al-Badawi. Qui a bien joué pour Cassio. Il doit frapper. Il crochette, il frappe. Encore l'équerre. Vraiment pas de chance hein, pour Cassio aujourd'hui. Deux fois. Mais là, Al-Badawi avait forcé, hein. Forcer de la différence. Le corner. Fay. Oula là là là, ça n'est pas passé très loin finalement ce ballon non plus. Et un nouveau corner pour Serein. La tête cette fois-ci de Sambou. Deux fois, trois fois. Et finalement une erreur, une faute de Sambou qui a failli faire de 1. Et Coré là qui se retrouve tout seul, il n'y a pas de faute de main. Et attention, vraiment ce ballon qui traîne et il faut une intervention là. En derniers instants pour empêcher ce ballon de rentrer. Sambou Mansoni là, en trois hommes et il passe, Sambou avec sa vitesse. Oula, il a donné un peu de fil à retordre hein, cette défense sur cette action. Un petit ballon pour Ibeswert, il y a Cassio qui est juste devant. Et il va passer seul Ibeswert. Toujours dangereux. Cassio, c'est dans le transversal, c'est impossible, incroyable. Troisième fois du match. Et cette fois-ci, c'est un ballon qui se dégage un petit peu n'importe comment du côté de Virton. Al-Badawi. Oula, quand même chaud. Al-Badawi avec Sambou Mansoni.
Et le compte. Et Ibu. Et Sambou. Sambou qui rentre. Sambou qui pénètre. Qui trouve Ibu. Ibu qui va à Limon. Et arrêt de Maurice dans les arrêts de jeu. C'est terminé sur ce score de 1-1. Ah, au regard du match, ça aurait mérité mieux. Surtout si on retient ces trois lattes de Cassio. Et donc, contre Virton, c'est toujours un bon point. Mais ce n'est pas suffisant, évidemment, pour s'extirper totalement de la zone dangereuse. Pour le tour final, on peut le dire ce soir, c'est terminé. On tire quand même trois fois sur la barre. Donc je pense qu'on aurait pu prendre les trois points. C'est vraiment dommage, en tout cas, prendre les trois points ce soir. Oui, et puis vous encaissez finalement ce but dans le seul quart d'heure où Virton était un petit peu dangereux et où Virton était un petit peu dans le match. C'est vrai, on encaisse un but bête. Mais bon, voilà, c'est dommage. On va passer à autre chose et se concentrer pour le prochain match, quoi. Finalement, ce soir, c'est un bon point, hein, pour Virton. Ouais, bah c'est sûr, vu la physionomie du match. Surtout la deuxième mi-temps, on a beaucoup souffert. Ils ont trois fois étape la latte, je crois. Et nous, on n'a pas de situation. Donc, ouais, au final, c'est vrai que c'est un bon point pour nous. Pour ce 700e, trois lattes. Jamais vu ça. Non, c'est jamais vu, c'est ça. Après, c'est le foot et le match est fini, donc voilà. Oui, le match est fini avec beaucoup de frustration, hein. Personnel évidemment, mais pour l'équipe aussi, parce que franchement, aujourd'hui, Serein méritait mieux. Ouais, pour l'équipe surtout, parce que voilà, avec un peu de réussite, la même réussite que Gilles par exemple ici chez nous, on met le sac 1, 6-1 même. Donc on passe à côté d'une belle soirée, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le foot. On aurait pu remporter ce match, peut-être qu'on aurait pu aussi le perdre sur un détail à la fin, sur une contre-attaque. Donc je pense que match nul au final, c'est pas mal quand même. On avait vu déjà au match aller, où je pense que c'est une des équipes dans le jeu et même dans la difficulté dans le match qui nous avait mis le plus en danger, je pense. Et c'est vrai qu'au regard du classement, il ne mérite pas d'être là. Il reste 5 matchs, il va falloir prendre un maximum de points. Et, on le dit chaque week-end, mais on le voit que derrière ça gagne et nous on prend pas trop de points. C'est un mal qui est récurrent. J'espère que on va tout donner sur les 5 dernières rencontres et on va aller au tour final. À mon avis, il y a un peu trop de pression, et ce qui fait que des joueurs comme eux n'y arrivent pas. Après, on a bien vu qu'on a mis la pression tout le match et ils sont satisfaits du AA. Pour eux, c'est bien, pour nous, c'est une défaite.